Disons-le brutalement, je suis d'un territoire que d'autres peuples ont imaginé, dessiné et nous ont légué selon leur intérêt géostratégique. C'est avec cet héritage que je dois construire mon devenir, l'avenir de mes enfants, participer à la conversation mondiale, à la sauvegarde de la planète et à l'accès aux bienfaits de ce monde. Cet héritage, c'est le Mali. C'est le Mali de Modibo Keïta qui nous a conduits à l'indépendance mais a voulu nous imposer un modèle socialo-communiste en déphasage avec les réalités du pays. De Moussa Traoré qui nous a débarrassés d'une dérive totalitaire mais s'est voulu empereur sans partage. Je m'appelle Aluni Frandiaï, je suis écrivain, metteur en scène et réalisateur. Le livre « On n'est pas Banyengol devient » parle du dysfonctionnement de la société malienne. C'est depuis comment ce dysfonctionnement s'est construit, depuis la traite des esclaves jusqu'à maintenant, comment de déconstruction à défaite, la société a développé un état d'esprit que j'ai nommé Banyengo, qui est un état d'esprit qui est en total déphasage avec l'esprit de citoyenneté qui doit avoir une société, un individu dans le XXIe siècle. Je vis la situation tous les jours de façon sociale, sur le plan professionnel. Et c'est difficile véritablement d'être entrepreneur, par exemple, dans un tel environnement où les gens cherchent plutôt à se tirer vers le bas que plutôt à s'accompagner, à monter ensemble. Donc, le fait d'avoir vécu ça à plusieurs niveaux, je me suis posé beaucoup de questions et j'ai observé la société, je me suis documenté, j'ai lu beaucoup de livres sur l'histoire du pays. Et puis, je me suis forgé un point de vue sur la situation. C'est comme ça que, de réflexion en réflexion, je me suis dit, je vais partager cette réflexion-là avec les Maliens à travers un bouquin. Mais je travaille sur un autre ouvrage qui était aussi une sorte d'exercice de réflexion sur toujours la même thématique, c'est-à-dire la question citoyenne, mais que j'ai transformé en cours de route, en cours de rédaction, en projet de long métrage. Et le film va s'appeler Ma, c'est-à-dire Mama, et très comique aussi, et avec un acteur, un humoriste très connu au Mali qui s'appelle Petit Guiba. Et ce travail est en train de se développer et on espère produire ça en 2020.